Salut à tous, c'est l'esprit bad et aujourd'hui on a l'esprit beach, le soleil, le sable. Ah bah oui, on a surtout l'esprit beach minton. Alors on y va, c'est parti, j'arrive. Badminton, c'est du badminton qui joue en extérieur et dans ce cas-ci sur du sable. C'est du badminton mais dans le sable. Et alors ? Et bah ça change tout. Le terrain est plus petit, mais en fait le sable rend le terrain plus dur à se déplacer. Là, l'intérêt là c'est d'avoir le sable. Dans le sable on peut plonger, on s'amuse quand même différemment. C'est plus fun, ouais, le sable, le soleil. Ouais, il fait chaud, mais le fait d'être dehors, c'est bien, on s'amuse plus. Là, c'est rigolo. C'est fun. Le soleil, on bronze. Ouais, ouais, déjà. Ah, c'est ça, c'est juste pour pas faire ton bronzage, en fait. C'est ça. Et puis, vous voyez derrière, une haie conçue spécifiquement pour essayer de couper un peu de le vent. Couper le vent. Et puis, c'est marrant aussi, parce qu'on peut plonger, ça fait pas mal, du coup. C'est oui. Différent, mais c'est très intéressant pour les joueurs de bad. On doit tout de suite beaucoup plus courir sur le terrain, voilà. Allez. Ça bien ou pas? Bah, j'aime bien, je m'amuse, même ouais. Si j'en touche pas une. Mais... C'est sympa, c'est très sympa. Le pied dans le sable, c'est super agréable. C'est ça, le beach minton. C'est le mélange entre le... la plage ouais, et... attends pardon. Oula. Jusque-là, la majeure partie des gens que j'ai initiés ici au début de l'été, très contents de leur expérience sur le sable. Ils ont très envie de revenir dans un club dès la rentrée. L'intérêt, c'est d'attirer d'autres publics, c'est de pouvoir faire ça dans des endroits où on n'a pas de gymnase, dans le quartier, pouvoir apporter ça sur la plage, permettre à certains clubs qui ne peuvent pas pratiquer l'été en gymnase parce que le gymnase est fermé. Deux poteaux, un filet, quelques lignes et c'est parti. Bon alors Laurent, qu'est-ce que c'est que ce terrain là où on est ? Là c'est quoi ? C'est des plaques ? C'est des plaques de plastique qui font 20 cm par 20 cm et puis il y en a environ 1500 et ça fait un terrain de badminton. Et ça c'est une autre alternative au bad ? On peut jouer dehors maintenant avec un vrai terrain sur un parking, sur une place, n'importe où. C'est différent les appuis parce que c'est pas le vrai sol comme dans les gymnases mais sinon c'est pareil. On a pratiquement les mêmes sensations qu'en salle. Tu sais, oui, pendant l'été c'est agréable. De pas être enfermé c'est agréable. Ça veut dire qu'on peut jouer au badminton où on veut ? Où on veut. C'est génial ça. Bah ouais. Voilà, vous avez peut-être découvert maintenant le beach badminton ou les autres pratiques alternatives du bad en extérieur. Alors si vous aussi vous avez envie de les partager avec nous, n'hésitez pas, ayez l'esprit bad. Salut. Salut. Merci, c'est gentil, de rien. Excusez-moi. Non, mais je vous en le devoir m'appelle. Bah, d'accord.